Hello, hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera dédiée au teint. Donc, je vous ai fait ma routine teint glowy, donc je la fais très régulièrement, pas tous les jours, je vous avouerai. Mais dès que je veux me faire un teint un peu plus lumineux, surtout avec les beaux jours, c'est cette routine-là que j'utilise. Donc, j'espère que cette routine vous plaira. On va commencer de suite. J'ai déjà appliqué ma crème du jour, donc c'est une crème de chez Lush. Je la mettrai à l'écran, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ensuite, je vais poser ma base de teint. Vraiment, je suis en train de tester celle de chez Herborian, la matte crème. Donc, c'est une bébé crème, ou je sais plus, ouais, c'est une sorte de bébé crème, je crois, mais dédiée aux peaux mates. Donc, je suis en train de la tester et pour l'instant, mon avis est plutôt positif. Si ce n'est que le léger bémol que je me suis aperçu dans la compo, c'est qu'il y a du silicone. Donc, bon, pour l'instant, j'en suis contente. On verra par la suite si elle me provoque des boutons, parce que souvent, les produits à base de silicone, au bout d'un moment, me bouche les pores de la peau. J'ai beau bien me démaquiller, etc., ça bouche les pores de ma peau et ça provoque des boutons. Donc pour l'instant, ça ne me le fait pas. Et on verra. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser un fond de teint qui est de chez Urban Decay, qui est un poil trop clair pour moi. Donc du coup, je vais faire un mélange de deux fonds de teint. Dans un premier temps, je vais poser celui-là de chez NYX. Donc c'est, je crois qu'ils ne les font plus, ces fonds de teint-là, il me semble plus. C'est un fond de teint stick que j'avais acheté l'été dernier. J'aime bien les fonds de teint stick, pardon, pour l'été, parce que c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à appliquer, enfin bref. Donc je l'avais acheté quand j'avais mon teint d'été, parce que du coup, vous allez voir, il est très foncé. Pour mon teint de maintenant, qui est très pâle par rapport à celui-là que j'ai en fin d'été, n'est-ce pas? Donc je vais faire le mélange des deux et du coup ça va contrebalancer le côté trop clair du fond de teint de chez Urban Decay. Ensuite je vais appliquer du coup mon fond de teint Urban Decay par-dessus ce fond de teint stick. Donc c'est le All Nighter de chez Urban Decay que j'ai depuis l'année dernière. Donc mis à part la teinte qui ne me convient pas, la teinte est trop claire, il faudrait que je prenne je crois une demi-teinte au-dessus, voire une teinte au-dessus. Le fond de teint il est génial, franchement c'est devenu mon fond de teint pour quand il fait très chaud, parce que du coup il ne bouge pas. Voilà. Par contre il a une texture très particulière, il faut le travailler assez rapidement. Et là maintenant j'arrive à le travailler avec un F80 de chez Sigma, donc comme vous allez voir à l'écran. Mais les premiers temps, j'arrivais pas trop à le travailler, donc du coup j'étais obligée d'utiliser un beauty blender. Je suis pas hyper fan du beauty blender pour le fond de teint, mais là franchement, au début, pour la prise en main, c'était un petit peu compliqué entre les deux. Donc voilà, donc j'applique ce fond de teint là, surtout mon visage évidemment. Et puis ensuite, nous allons passer à l'anti-cerne. Donc j'utilise un anti-cerne de chez NYX qui est extrêmement couvrant. Donc en ce moment, quand je l'ai acheté, je le trouvais très couvrant. Donc voilà, il me convenait, mais c'est vrai qu'il était extrêmement couvrant, j'avais pas beaucoup de cernes. Maintenant, comme je suis très fatiguée en ce moment, j'avouerai que je suis contente de l'avoir parce que du coup, il couvre la misère en dessous des yeux. Donc du coup c'est le Total Couvrant de chez NYX. Donc il existe en énormément de teintes comme chez NYX comme d'habitude. La teinte que j'ai, je ne me rappelle plus, vous l'avez à l'écran puisque je vous montre les produits à l'écran. Donc par contre lui comme il est épais, je l'applique au Beauty Blender. Et le rendu est plus joli je trouve au Beauty Blender. J'ai essayé avec le pinceau, enfin voilà, etc. Je préfère le Beauty Blender pour l'appliquer. Ensuite, par-dessus ce petit anti-cerne, je vais appliquer une poudre, donc une banana powder, mais en version pressée de chez NYX. Alors, je ne sais pas s'ils la font toujours, parce que je l'ai acheté l'année dernière et j'ai eu du mal à la trouver. Je ne sais pas s'ils la font toujours. Par contre, dans d'autres marques, vous pouvez la trouver. Hein. C'est la fameuse poudre jaune qu'on utilise pour le dessous de l'œil et qui illumine le dessous de l'œil. Donc, vous en trouvez dans d'autres marques à des prix très abordables aussi. Ensuite, nous allons passer à la poudre pour fixer mon teint. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise celle-ci depuis des années. Alors, donc, c'est pas le même flacon, enfin, c'est pas le même pot évidemment, mais je la rachète à chaque fois. Donc, c'est celle de chez MAC, c'est la Mineralize Skin Finish. Ma teinte, je crois que c'est Medium Dark. Et honnêtement, à chaque fois, j'en ai changé. Que ce soit en poudre libre, compacte, colorée, non colorée, je reviens toujours à la MAC parce que du coup, elle fixe très très bien mon teint. Et elle apporte ce voile de couleur et de, du coup comme c'est une poudre minérale
de lumière en plus, et franchement ça fait toute la différence. Et elle n'est pas souvent publicitée, cette poudre, et je trouve que franchement c'est dommage parce que c'est vraiment un excellent produit. Elle est un petit peu chère à l'achat, mais moi qui me maquille tous les jours, elle me fait un an et demi la poudre, donc franchement elle est rentable. Parce que des fois vous achetez des poudres qui sont peut-être de moins bonne qualité, qui ont un moins bon rendu, et qui coûtent peut-être un peu moins cher, mais au final le produit il est pas top. Et là franchement, si je peux vous conseiller une poudre, c'est celle-ci. Je vous dis, à chaque fois que j'en ai changé, j'étais toujours déçue. Et du coup, je reviens toujours systématiquement à celle-ci. Et du coup, maintenant, j'achète que celle-ci. Donc, je viens d'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau. Et ensuite, nous allons passer on va pas faire du contouring à proprement parler. On va réchauffer le teint avec un bronzer. Donc, celui-là, c'est celui-là de chez NARS. J'utilise souvent l'été. Ou dès que le printemps est revient. Je sais pas pourquoi. Je le ressors systématiquement à cette saison-là. C'est la teinte Casino, donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait 2-3 ans. Donc il commence à se creuser, mais franchement c'est pareil, ça fait des parties des produits qui sont peut-être chers à l'achat, mais honnêtement qui sont excellents. Donc celui-là aussi je me le rachèterai à l'occasion, enfin quand il sera fini. Hein. Voilà, donc je viens réchauffer mon teint, donc c'est pas vraiment du contouring, j'utilise un pinceau de chez Real Techniques, qui est normalement dédié au contouring, mais que je ne trouve pas adapté pour du contouring, il n'est pas assez précis. Par contre, pour faire appliquer de façon comme je vais faire, donc bronzer, il est très très bien. Je me suis acheté des pinceaux sur AliExpress, donc je suis en train de les tester aussi. Ils sont plutôt pas mal, franchement je suis très très étonnée. Je vous ferai sûrement une revue si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur les pinceaux AliExpress. Parce que du coup, je possède des pinceaux de chez Sima. J'ai très peu de pinceaux de chez MAC parce que je trouve que bon, ils sont quand même très chers, surtout les pinceaux pour le teint. J'ai des pinceaux de chez Make Up Forever et tout, etc. Et d'autres marques. Et du coup, ça serait peut-être intéressant de vous faire une revue comparative. Voilà, pinceaux haut de gamme, on va dire, et pinceaux achetés sur les sites comme type AliExpress. Donc dites-le moi. Je vous la ferai la revue. Ensuite, nous allons passer au fond de teint, n'importe quoi, au blush. Donc j'utilise un blush de chez MAC, pareil, je l'ai acheté l'année dernière et franchement, c'est la gamme, je sais plus si c'est extra dimension. Donc cette gamme-là, en fait, c'est une gamme qui a une texture un peu particulière, donc c'est une texture un peu hybride entre la poudre et la crème. Et du coup, j'avais craqué sur cette teinte-là l'année dernière chez MAC. Donc, je crois que c'est une édition limitée, malheureusement. Comme bien souvent chez MAC, je crois pas. Si je vous donne le nom, regardez sur le site de MAC si ça vous intéresse. C'est le Telling Glow. Donc, c'est une espèce de. C'est un orange avec des micro-particules dorées. Donc, ce qui fait que ça donne tout de suite bonne mine, surtout pour mon teint. Sinon, j'utilise un autre fard de chez NARS, un autre blush de chez NARS, mais je ne me rappelle plus de la teinte. C'est une teinte assez connue pour les peaux mates. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cette teinte. Je ne me rappelle plus du tout. Je suis en train de réfléchir. Bon, je suis en train de regarder dans ma commode. Mais c'est le Taj Mahal. Donc pareil, c'est une teinte très connue chez NARS pour les peaux mates et noires. Donc le Taj Mahal, c'est un espèce de orangé aussi avec des paillettes, micro-paillettes dorées. Et il est juste sublime. Ça fait des années que je l'ai. Et honnêtement, c'est pareil. Ça fait partie des choses qui coûtent cher mais que je rachèterais. Parce que c'est vraiment des produits qui, pour moi, ils n'ont pas trop d'équivalent. Donc ça vaut le coup. Et puis voilà, quand on aime un produit, des fois, on ne compte pas. Donc voilà, je vais appliquer mon blush. Et puis ensuite, je vais venir fondre tout. Pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation, etc., etc. Le teint comme les yeux, ce qui est le plus important, c'est de fondre les matières entre elles pour pas que vous ayez de démarcation, pour que le teint paraisse uniforme, etc., etc. Et du coup, c'est hyper important parce qu'il n'y a rien de plus moche. Bon là, j'ai pas fait de contouring, mais il n'y a rien de plus laid que de voir des marques du contouring. En fait, il faut que ça soit vraiment fondu. Et voilà. Ensuite...
Lac, qui est... alors celui-là aussi, il n'est pas trop publicité, je ne sais pas pourquoi. C'est le Prep plus Prime Highlighter. Donc moi, la teinte que j'ai, je ne me rappelle plus ce que c'est effacé. Et ça, c'est pareil, ça fait vraiment partie de mes essentiels teintes que je rachèterai. Et ça fait genre un an et demi que je l'ai, et je pensais qu'il allait se finir rapidement, parce que c'est un truc... C'est un espèce de stylo avec un embout pinceau, et vous tournez pour faire monter le produit. Donc je me suis dit ça va se finir très vite, et ça fait un an et demi et le truc ne s'est pas terminé. Donc voilà, le jour qui se termine, je vais directement racheter, je réfléchis même pas. Il coûte pas très très cher, je crois qu'il coûte dans les 15-20 euros, donc c'est pas trop excessif pour du mag. Et vu que ça dure, ça fait quand même un an et demi que je l'ai. Bon, je ne le porte pas tous les jours, mais je le porte quand même très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Et vous voyez, bon voilà, je suis en train peut-être de le terminer. Est-ce que du coup on ne voit pas le niveau du produit à l'intérieur, parce que c'est pas, le flacon est opaque. Mais honnêtement, ça fait partie, voilà. Si vous avez, si la partie des produits teints, ça serait ma poudre minérale Skin Finish de chez MAC, et ce petit stylo highlighter. Donc ça fait un highlight assez discret, donc c'est un highlight pour tous les jours, mais quand vous le mettez, vous le voyez. Mais c'est pas non plus genre, vous n'avez pas des boules à facettes niveau de vos zones de lumière. Néanmoins, il est très joli. Je l'avais utilisé pour maquiller une de mes copines pour un mariage et c'était vraiment super joli. Ce teint très très frais et très glowy, je vais mettre un highlighter de chez Colourpop Cosmetics. Donc si vous avez vu mes revues Colourpop, si vous n'avez pas vu, elles sont toujours dispo sur ma chaîne. Les highlighters de chez Colourpop, c'est une vraie bombe. Alors j'étais sur le site de Colourpop la dernière fois parce que je voulais m'en reprendre, et je me suis aperçue qu'ils ne les vendaient plus. Alors je ne sais pas si c'est temporaire ou définitif, malheureusement j'ai l'impression que c'est définitif. Ils ne font plus cette formulation, vous savez, qui est un peu comme celle de chez MAC, hybride, donc entre la poudre et la crème, qui est très particulière, mais qui font très très bien sur la peau et qui vraiment donne un glow sublime. Enfin, moi, je les ai comparés aux highlighters de Becker. En fait, c'est vraiment le même style de glow, vraiment très intense, mais à la fois qui se travaille très très bien. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'ils les arrêtaient, parce que dans cette gamme-là d'highlighter, il y avait des dupes parfaits des Becker qui sont très chers, eux. Et du coup, je suis très déçue. Si je l'avais su ou vu avant, j'en ai racheté en backup. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu venir. Donc, voilà. Donc la teinte que j'utilise, c'est Candyman. Donc, c'est une très basse. Je crois que c'est un dupe d'un de chez Becca, mais je ne sais plus lequel. Je vais l'appliquer vraiment sur toutes mes zones de lumière. Le nez, les pommettes, le menton, l'arc de Cupidon. Et je vais venir ensuite estomper le tout, parce que comme je l'applique au doigt, après des fois ça fait un peu des marques, donc du coup je viens estomper au doigt. Et pour terminer avec le teint, alors ça, après moi c'est vraiment, je fais que le teint, soit je la laisse comme ça quand je veux vraiment avoir quelque chose de très juste faire mon teint, soit après vous pouvez vous maquiller les yeux, etc., faire vos finitions à vous, mascara, eyeliner, etc., etc. Par contre, ce que j'aime bien faire aussi, ce que je trouve apporte de la fraîcheur au printemps et été, c'est faire un effet lèvres mordues. Donc je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer en image. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends un rouge à lèvres d'une couleur assez peps, donc soit un orangé, soit ça m'arrivait de le faire, alors ça m'arrive très souvent de le faire en orange ou en rose très flash. Donc du coup, je viens appliquer juste au centre de ma lèvre le rouge à lèvres, et après je vais venir tapoter un peu au doigt pour diffuser la matière. Donc ça va faire comme si vous étiez mordu un peu les lèvres, vous savez. Et ensuite, je vais venir travailler avec un gloss transparent tout bête. Donc moi, j'utilise un de chez Bobbi Brown. Mais vous prenez n'importe lequel gloss qui fait vraiment un effet très... J'aime bien celui de Bobbi Brown parce qu'il tient très très bien. Il colle, certes, mais il tient excellemment bien. Donc du coup, je viens travailler au pinceau et estomper. Parce que du coup, sinon, ça va faire une tache au milieu de vos lèvres. Donc ça va pas être joli. Donc je viens estomper comme on estompe la matière.
et la diffuser au niveau de la lèvre. Et du coup, ça fait un effet très frais, très joli. Et j'aime beaucoup faire ça quand je me maquille très chargée sur les yeux. Du coup, je fais ça parce que des fois, j'ai un peu la frustration de maquiller très fortement mes yeux et pas forcément maquiller très fortement mes lèvres parce que, en théorie, il faut pas trop le faire. C'est vrai que des fois, ça fait too much. Donc, du coup, je me rattrape un peu en faisant ça. Et puis, des fois, quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête ou que je suis pressée, parce que c'est quand même assez rapide à faire, hein, c'est pas si compliqué. Quand vous avez pris la main, ça va très très vite. Et du coup, ça évite de vous, quand vous portez un rouge à lèvres très flash ou très foncé, vous devez vous faire le contour de la lèvre parce que du coup, ce n'est pas, enfin, ça fera pas un résultat propre ni fini. Et du coup, quand on fait cette technique-là, et ben du coup, vous n'avez pas à faire le contour de la lèvre, parce que du coup, vous mettez un gloss, donc le gloss, voilà. Si vous débordez un peu, vous essuyez avec un petit coton-tige ou quelque chose comme ça, et c'est terminé. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça en été, ou quand je suis pressée, ou quand j'ai un maquillage très chargé. Voilà, et bah écoutez, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu parce que c'est vrai que dans mes tutos make-up, je ne vous montre pas comment je fais mon teint parce que du coup, je vous montre essentiellement les yeux parce que ma routine teint ne bouge pas beaucoup à quelques détails près de fond de teint ou de base, ça ne bouge pas beaucoup dans l'année. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites votre teint, quels produits vous utilisez. Comment vous aimez vous maquiller au printemps-été, si vous ne maquillez plus en été, voilà, parce que voilà, il fait chaud, vous n'aimez pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi, je vais vous laisser, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye !